Nous ne devons pas cataloguer les autres pour décider qui est notre prochain et qui ne l'est pas, car ça dépend de nous. Être ou ne pas être le prochain de ceux que nous rencontrons et qui ont besoin d'aide, même si c'est des étrangers. C'est avec ces mots que le pape François a commenté la parabole du bon samaritain juste avant la prière de l'Angélus. L'attitude du bon samaritain qui s'arrête pour secourir un voyageur blessé en prenant soin de lui à ses frais nous indique un style de vie qui met au centre de nos attentions ceux que nous rencontrons sur notre chemin, qui, avec leurs difficultés, nous demandent de choisir si nous voulons que ce soit eux notre prochain ou si nous voulons rester indifférents. Et via les bonnes œuvres que nous accomplissons avec amour et joie envers notre prochain, notre foi fleurit et porte ses fruits. Le Seigneur pourra nous dire, mais toi, tu te souviens cette fois sur la route de Jérusalem à Jéricho? Cet homme à moitié mort, c'était moi. Tu te souviens? Cet enfant qui avait faim, c'était moi. Tu te souviens? Ce migrant qui allait être chassé, c'était moi. Pour finir, le pape François a salué les travailleurs de la mer et les pêcheurs à l'occasion du dimanche de la mer qu'il aurait consacré, ainsi qu'à leur famille.